Lettre à mon frère, le 16 avril 2020. Mon frère, tu es là près de moi. Je te vois faire une réussite. Et c'est un solitaire, dis-moi. Tu vois que je comprends très vite. Je t'embête avec la télé, je ne veux plus la regarder. Et je t'oblige à mettre un casque. C'est ça, quand on n'a pas de masque. Le studio est face à la mer. Tu vis là depuis une année. Et que penserait notre mère à nous voir ici confinés? Ta seule possession sur Terre, c'est tout petit mètre carré. Devant l'infini, on se terre et l'on regarde les marées. Quand tu es venu me chercher déjà, on n'osait rien toucher. Maintenant, on est immobile. On sort pas. On est inutile. On écoute les médecins. Et tu m'as dit, ce sont des saints. Tu t'en souviens très bien, je pense, de la chambre de notre enfance. Le paquet de chocobéennes et la bouteille de fruité. Je vois la vie se répéter. Il y a des gens qui ont la haine parce que je suis venu ici au lieu de rester à Paris. Mais je ne vois vraiment personne, à part l'horizon et ton rire. Quand notre humour enfin résonne et nous fait échapper au pire. Les gens qui n'ont plus de famille, ceux qui n'ont rien au-dessus d'eux, ils savent pourquoi on est deux, même espacés comme des quilles. C'est drôle, ce mètre de distance. Il nous fait frôler tout le sens que l'on ne voyait plus aux choses, même si c'est une indécence de voir les mots que certains osent. Notre père racontait la guerre, ce qui se révélait en l'homme, ce que l'on ne pouvait plus faire, la vie réduite au minimum. Notre mère en parlait aussi. Paris était à la merci d'une autre maladie virale, la lâcheté d'un maréchal. Elle avait 16 ans en 39 et ils se partageaient un œuf. On est loin de sa catastrophe, donc il faut rester philosophe. Ses dents étaient toutes barrées, elle avait manqué de calcium et elle souriait, contrariée, en planquant tout au maximum. Je te regarde mettre des cœurs sur des carreaux et sur des pics. On discutera tout à l'heure. Tu diras, qu'est-ce que tu fabriques? Tu me soupçonneras d'écrire, c'est ainsi depuis des années. J'écouterai ta rhétorique et je t'admire, mon aîné. Toi, tu découvres mon métier, je redécouvre ta bonté. Tu sais comment ça va finir? L'être humain ne va rien comprendre et tout ce qu'il croit approcher, tout ce grand vers quoi il croit tendre, bah ça fera des ricochets. Il y aura des choses à vendre et bien sûr, on va ressaler. Mais nous, dis, nous resterons tendres, on va pas se faire avaler. Voilà, maintenant tu repères pourquoi j'ai voulu ce matin te faire écouter France Inter. On parle de toi, mon frangin, on parle de tous les frangins. Sophie Fontanelle.